Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Avant de débuter franchement le sujet de la vidéo, je tiens à préciser que franchement je déteste parler de tout ce qui touche le dopage, les stéroïdes anabolisants, les vendeurs de rêves, etc. parce que franchement ça m'énerve. Donc c'est pour ça, je m'excuse si des fois vous voyez je hausse un peu le ton, etc. Mais franchement ça m'énerve. Donc j'expose aujourd'hui mon sentiment qui est quoi, c'est que je suis vraiment dégoûté par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe dans ce monde de fit game. Fit game, mais moi j'appartiens pas à ce monde là, je veux même pas appartenir, parce que les gens ils disent ouais Maître Cal tu seras pas dedans, parce que moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas d'avoir une place parmi les coachs du net ou les youtubeurs qui vendent du rêve à travers leur corps, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors je vais commencer juste par le fait de parler et de dire que à travers mon expérience, que je vois tous les jours à la salle de sport, qu'un coach, il est crédible avec son physique. C'est-à-dire que s'il n'a pas un physique propre, avec un corps super taillé, bien dessiné, avec les six packs, etc., pour vous, vous n'allez même pas travailler avec lui, c'est une merde, ce coach-là. Sauf que c'est tout à fait le contraire, et ce coach-là, il peut avoir vraiment une expérience de ouf, des compétences de malade et vous aider à évoluer rapidement, au contraire de la personne que vous allez regarder sur le net, que vous allez imiter en espérant avoir les mêmes résultats que lui, sauf que ces coachs-là, ils utilisent la chimie des produits qui sortent du naturel. Et sachant très très bien que si vous allez essayer de faire pareil, vous allez tomber dans le surentraînement, vous allez vous fatiguer, vous allez vous blesser. Parce qu'un corps qui est sous chimie, il ne réagit pas de la même façon que votre corps à vous, qui mange des bananes, qui mange du poulet, du riz et qui prend des compléments alimentaires en estimant avoir les mêmes résultats que la personne qui est en face de vous sur sa chaîne YouTube ou sur le net qui vous vend du rêve. N'estimez pas que vous allez prendre un booster de chez MyProtein et vous allez faire des soulevés de terre à 250 kg. Il y en a certains youtubeurs qui le font, ok. Mais soyons sûrs et certains que ces personnes-là, ils ne consomment pas que des compléments alimentaires. Et ils montrent leur diète sur Internet, comment ils s'entraînent, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que faites attention. Faites attention, ce monde-là, là, c'est un monde d'hypocrites. Faites gaffe les Spartiates, faites attention. Moi ça me... Vous allez tomber dans une illusion qu'elle va vraiment vous faire dégoûter et vous faire laisser tomber cette passion, ce sport, cette discipline qu'on aime tous, on aime tous souffrir. C'est pour ça que moi je préfère rester naturel jusqu'au dernier jour et ne pas franchement utiliser des produits, sachant très bien qu'ils sont interdits en France. Et c'est pour ça, certains, ils ne veulent pas avouer qu'ils sont en train d'utiliser des produits chargés comme des taureaux. Et donnent de l'espoir à leurs abonnés, etc. Sauf que moi, je préfère avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Donc, les personnes qui viennent me parler sur ma chaîne, ou viennent m'insulter, ou viennent se comparer à moi parce qu'ils sont chargés à bloc pour me dire « Ah, ils sont où tes trapèzes? Ah, ils sont où tes épaules? Ah, ils sont où tes bras? Ah, ils sont... » Je suis bien comme je suis, je m'assume à 300%. Je suis devant vous et je m'assume à 300%. Je ne suis pas comme certains qui utilisent des filtres, qui sont là à utiliser Photoshop, ainsi de suite, pour gagner de la crédibilité et vendre des programmes. Non, on ne vend pas de rêve. Moi, personnellement, j'ai créé des programmes, j'ai vendu des programmes, etc. Mais je tiens à préciser que chaque personne que j'ai au téléphone, je tiens à lui dire que chaque personne, je le répète encore une fois, si elle ne souffre pas, si elle ne suit pas le programme à la lettre, c'est un programme personnalisé suivant son rythme de vie, etc.
c'est sûr et certain qu'elle n'aura pas de résultat. Et les résultats, je vous dis un truc, je ne les prévois pas. Je ne dis pas que vous allez perdre 10, 15, 20, 30, vous allez prendre 15 kilos. Non, non, non. Ça n'existe pas, ça. On ne peut pas prédire l'avenir, ça n'existe pas. Ça, si. Sachant très bien que quand on va utiliser des produits anabolisants, ok, que la transformation elle va être radicale. Ça va être un truc de ouf. Après, quand vous qui regardez cette vidéo-là, quand vous regardez des transformations en 3 ans, quand vous allez voir Maître Cal, ouais, il y a 14 ans qui fait de la muscu, mais les limites du naturel, je tiens à le préciser, sont restreintes. Sachant que chaque personne elle a une morphologie bien définie et elle ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens au cours de 10 ans, ils galèrent tout le temps pour augmenter le volume de leurs bras, de leurs biceps, de leurs triceps, etc. Sauf qu'il y a des gens, au bout de 3 ans, ils ont réussi à sortir la boule des biceps, à tracer leurs triceps, ainsi de suite. Voilà les Spartiates, moi j'aimerais bien vous dire que arrêtez. Ce monde-là de YouTube, c'est un monde d'hypocrites. Ils se chargent à bloc, ils sont là à montrer leur shape H24 sur les réseaux sociaux, à vous vendre du rêve. Sachant très bien que ces gens-là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment hypocrites. Pourquoi vraiment hypocrites? Parce qu'ils vous montrent leur alimentation, ils vous montrent comment ils s'entraînent. Eux, ils résistent à des trainings de ouf, sauf que vous, si vous essayez de faire pareil, vous allez vous blesser et ça va avoir des conséquences sur votre corps. C'est bien de trouver votre motivation à travers ces gens-là, mais ces gens-là, ils s'en foutent carrément de vous. Ils sont en train de partager un truc qui est basé sur la mensonge. Voilà. Donc c'est pour ça, je ne vais pas citer de nom. Du tout, mais du tout, mais du tout, mais du tout. Donc chaque personne qui prend des stéroïdes anabolisants, c'est son problème. Je m'en fous carrément, c'est son corps, c'est sa santé. Point à la ligne. Voilà les Spartiates. Voilà ce que je veux vous dire. C'est pour ça, moi, quand je dis souffrance égale à résultat, ils rigolent les gens. Ouais, après un moment, on va stagner, machin, etc. Pour moi, ça restera toujours comme ça. Donc, j'ai voulu vous partager cet avis, malgré... qu'au jour d'aujourd'hui, je le répète encore une fois, que chaque coach, s'il veut gagner sa crédibilité, c'est dommage. Il faut qu'il soit super taillé pour que la personne, l'élève qui est en face de lui, il soit confiant et lui donne sa confiance. C'est dommage, c'est comme ça les Spartiates. Hein. Donc les Spartiates, j'espère que vous allez partager au max avec moi. Bien sûr, je le répète encore une fois, ne me massacrez pas en insultes, machin, etc. Parce que moi, je suis au-dessus de tout ça. Je m'en fous carrément. Ok. Donc, en Vendée, ainsi de suite, dans cette salle de sport, je coach pas mal de gens. J'essaie de les motiver. C'est pas les motiver pour leur dire « Ah, si vous voulez avoir le même corps que moi, il faut travailler comme ça, ainsi de suite. » Je leur dis non. Faites vous-même votre propre corps. Cherchez la motivation qui est en vous pour la faire exploser, l'exploiter dans vos entraînements, dans votre vie, dans votre régime alimentaire, ainsi de suite. Voilà, c'est ça la musculation, les Spartiates. Donc je compte sur vous les Spartiates, restez toujours à 300%, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal, et bien sûr sur mon site de coaching www.maitrecalcoach.fr. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent les Spartiates, on est là pour franchement juste partager le maximum possible, sans rentrer dans le détail. Et je vous dis un truc, je m'en fous carrément du fit game, ou de ce qui se passe sur le net et ainsi de suite. C'est juste pour vous dire, réveillez-vous les Spartiates et ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêves. Voilà les Spartiates, on reste toujours à 300%. Il a pris un peu le biceps. Non, je rigole. Allez les Spartiates, on reste toujours à 300%.